On a rêvé de s'implanter dans ces quartiers, il fallait trouver une identité. Et comme le théâtre n'existe pas dans notre langue, il fallait trouver notre théâtre à nous par rapport à un nom qui nous identifiait. Et effectivement, Tafournal est ce nom-là qui rassemble autour du feu la place publique, la place de la prise de parole. Donc chez nous, le théâtre, c'est un espace qui rassemble tout le monde, un espace qui est ouvert. Et donc Tapornal est vraiment convoqué pour rassembler tous les habitants de ce quartier, et que chacun, à travers sa diversité, à travers sa beauté, on puisse conjuguer tous les efforts et en faire un rêve commun. Nous avons un metteur en scène qui est arrivé du Burkina Faso, qui est venu exclusivement travailler sur deux axes. On avait un projet en amont qui s'appelle Tapornal, et à côté, on a ouvert une fenêtre sur la formation en jeu d'acteurs. Donc il y a 6 acteurs qui ont pris part à ces ateliers et qui ont terminé par des petites formes de création, de restitution. On dit souvent que la terre ne ment pas. J'ai toujours cherché à comprendre cela. Alors je suis allé dans son royaume pour l'interroger. C'est ainsi que j'ai découvert au-delà de ce qui est raconté à son sujet. Elle est le début et la fin de l'humanité entière. Elle nous a vu naître. Elle nous fera mourir certainement. Moi, je me suis engagé dans l'association en tant qu'un administrateur. Mais j'ai pris goût. J'ai pris goût au théâtre d'une manière générale. C'est pourquoi certains ateliers qui ont eu lieu ici, j'ai participé. Et en participant, j'ai eu le goût d'avoir de la plume facile. Donc j'écris des textes. J'écris des textes. Et je monte aussi sur scène. Et là, c'est une expérience que je suis en train d'explorer. Et je me suis engagé pleinement à fond. Donc j'ai vraiment aimé ça. Et que à chaque fois, nous bénéficions de la formation, par exemple, de nos partenaires qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, pour nous donner un coup de main, pour nous donner un renforcement de capacité. Et ça, c'est un point très, très, très important qu'il faut relever. Dans mon approche de l'enseignement, je préfère venir à la rencontre de l'individu, aller trouver en lui ses aspirations, ses rêves, et avec lui essayer ensemble de concevoir ou de construire un itinéraire vers lequel il se projetait. Pour moi, les théâtres sont multiples et chaque théâtre correspond à un environnement bien précis. Le théâtre s'inspire du reflet de la vie réelle. Elles avaient des rêves. Elles en avaient pitié. Société de merde, parents de merde. Nous avons échoué tous. Depuis le commencement, la parole était pour toi. Cet endroit définit mon espace de révolte. Oui, je suis révoltée. Cette salle d'accouchement ma part des raisons. Enfant autrefois, victime autrefois. En premier lieu, la pièce d'abord m'a touchée. Ça a touché quand même une partie de moi. Donc, c'est une pièce très engagée et moi, personnellement, ça m'a touchée. C'est pourquoi je l'ai pris à 2 mains pour l'exploiter. Donc, voilà le message que je peux donner aussi à l'envers des parents, à l'envers de la société. À travers le théâtre, on peut éduquer les enfants. À travers le théâtre, on peut quand même sensibiliser autant de monde qu'on veut. Donc, pour moi, le théâtre est bien placé pour l'éducation de la société. Poète, enfin, qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que l'enthousiasme? Cet état de l'être émerveillé.
L'art, d'une manière générale, est un espace de transformation sociale, ce lieu d'éducation. Donc, éduquer déjà les gens à se rendre compte de l'environnement dans lequel ils habitent, de se poser des questions à partir de là, comme eux, comment ils peuvent retransformer cet environnement, partant de leurs constats, partant de leur réalité, et créer un autre cadre de vie. Ça permet aussi au quartier de prendre la chose en main. Et on parle de l'autre, la salubrité, et puis il y a tout. Ça donne de l'éducation au quartier. Parce que l'espace qu'on était là avant, ce n'était pas propre. Il n'y a que des saletés. Et là, maintenant, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Les gens sont en train de nettoyer. Quand on lance une journée de nettoyage, le quartier soit pour nettoyer. En plus, nous avons aussi accueilli Gaël René, qui est un technicien qui est venu assurer la régie générale du festival et en même temps a donné une formation sur le montage et la création de projecteurs. Donc, nous avons réalisé aujourd'hui nos projets partant de nos réalités et de notre contexte. Et pour être, on va dire, crédible quelque part, à un moment donné, dans une forme théâtrale, il faut des comédiens et de la technique de théâtre. Donc je suis venu apporter cette partie-là, notamment l'électricité. On a construit des projecteurs parce qu'il n'y avait rien du tout ici. Donc maintenant on a un jeu de lumière avec une console lumière qu'on a utilisé assez largement pendant le festival. Et on a fabriqué les lettres avec Gaël. Ça a été un plus pour moi parce que je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois ici. C'était émouvant, c'était exceptionnel. Et là aujourd'hui, même si Gaël repart, je pourrais quand même faire les lettres. Moi-même, pourquoi pas former aussi les gens, parce que j'ai appris de lui et ça me permet aussi de former d'autres techniciens. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'ai appris comment on monte les lampes. J'ai appris comment travailler encore avec les enfants de plus. Comment essayer de faire à ce que les enfants s'intéressent vraiment à ce que l'on fait. Et j'ai appris aussi des logiciels. J'ai aussi appris davantage le caméra, comment filmer avec une caméra sophistiquée, comment filmer avec faire la photo, tout ça quoi. J'ai vraiment gagné dans ce festival. Ils savent construire, ils savent réparer, on a tout acheté sur place. Donc maintenant, ils sont assez autonomes sur toute une partie technique, en tout cas, qui leur permet maintenant de pouvoir réaliser des spectacles en étant autonomes. Parce que l'objectif, c'est vraiment cette autonomie. Voilà, je reviendrai, mais ils n'ont pas besoin de moi. Et l'électricité aussi, hein, j'ai appris dessus, voilà, par Gaël, l'électricité, donc j'ai aussi à bricoler et tout. Et avec Gaël, on apprend tout. C'est pas seulement son. Lumière, électricité, et puis quoi encore, je ne sais pas d'autre. Donc, et n'oublions pas encore, j'ai appris un peu du violon. Voilà, donc c'est un de plus encore dans le festival, le Tapurndal, on apprend tout, en fait, c'est un peu ça. Notre rencontre avec la compagnie digestive remonte en 2015, quand on s'est rencontrés à notre festival à Dakar. On a vu qu'on a des choses en commun. Le partage de la vie humaine, le partage de la beauté, et surtout pour nous, l'humain est le centre de notre réflexion. Et on a nourri des échanges avec la compagnie digestive depuis toutes ces années. Donc la compagnie digestive est venue partager son expérience ici, avec les acteurs locaux, avec les habitants. Et surtout d'animer des ateliers avec les enfants. Donc on a eu des ateliers en cirque, on a eu des ateliers en fabrication de marionnettes, on a aussi eu des rencontres, des moments de rencontres et d'échanges avec les populations. Ce qui a permis qu'à travers la compagnie digestive, on a eu deux rencontres des regards. C'est des regards croisés entre la Suisse et entre le Tchad. Avec Bonaventure, on s'est rencontrés déjà deux fois au Sénégal et du coup on a tissé un lien. Tout le monde de l'équipe Compagnie Digestive, on a été très touchés par l'énergie, l'engagement de l'équipe ici au Tchad. Et c'est surtout à titre personnel qu'on a dit oui à ce voyage et à cet échange. Donc ça nous enrichit beaucoup de voir que les missions
qu'un acteur culturel ou une actrice culturelle peut avoir au Tchad, c'est les mêmes que nous on a, c'est les mêmes missions. Et du coup, on se sent très très proche d'eux et c'est, ça fait simplement du bien et c'est très encourageant de voir qu'on n'est pas seul, que sur toute la planète, il y a partout des gens qui s'engagent pour les belles choses. L'échange, la convivialité, le partage et finalement l'amour entre nous. Ah bon? D'accord. L'intelligence au pluriel, c'est-à-dire chacun peut apporter sa pierre de contribution et ça donne de la couleur à la chose. Ce qui vraiment ce qui me tient à cœur ici, c'est que tout le monde s'éclate. Et autour de nous, quelquefois quand on sort dans le quartier, il y a des enfants qui nous connaissent qu'on ne connaît pas. Ils nous rappellent que voilà, nous avons travaillé avec eux dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est un témoignage vivant. Et là, ça me touche vraiment. Le fait d'ouvrir un espace pour les enfants, pour nous, c'est déjà un processus d'éducation artistique qui amène déjà les enfants à explorer leur imaginaire. Et en explorant cet imaginaire, petit à petit, nous constituons et nous éduquons un public en devenir. Et c'est ces enfants qui deviendront demain le public pour aller au théâtre, aller au musée, aller suivre un spectacle, aller à la bibliothèque. Il faut commencer par une éducation. Et pour nous, notre rêve, que ce quartier à la longue devienne un espace de la beauté, un espace de poésie, où toutes les arts peuvent s'appliquer à partir de là et d'ouvrir aussi un laboratoire qui permettra de former la nouvelle génération sur le métier du théâtre. Pour que ça existe, il faut former les gens. Pour que ça se pérennise, il faut le développer. Et le développer, ça prend du temps. Donc la formation pour nous est l'élément le plus central qui permettra vraiment de faire en sorte que tout cet outil, toutes ces activités qui se créent deviennent aussi un espace économique. À la longue, ça permet à ce que les gens se professionnalisent et qu'on crée aussi une économie à partir de là. Foutu gouvernement. Foutu machine qui transformait mon frère en des mots. Des mots lointains. Des mots sans écho. Des mots qui veulent ramasser l'eau qui est déjà par terre. Mais là, je t'aime bien, mon frère. Mais s'il n'y a plus rien qu'une parenthèse de sang à la Sony. Et dans une parenthèse de sang à la Sony, tout est par terre. Le rire par terre, le respect par terre, les vieux par terre, les femmes par terre, les morts par terre, tout par terre. Alors que veux-tu que je fasse avec ton argent alors que tout est déjà dans une parenthèse de sang? Moi, je ne peux rien faire. Et je ne vais rien faire. C'est facile de se barrer et d'exiger des autres de refaire le monde. Moi, je m'en fous du monde qui court à sa perte. Tu le sais ça? Je souhaite que ce genre d'initiative se mettent en place ou se matérialisent ou se répètent partout dans le monde. Parce que ce n'est qu'à travers des rencontres comme celle-là que le monde se construirait, je pense. Les soutiens commencent à arriver. Je pense qu'avec ce qu'on vient de faire, avec très très peu de budget, ça va être une bonne pierre pour démarrer une nouvelle aventure. Et je sens aussi que les autres arts viennent se mettre derrière, donc j'ai bon espoir, j'ai espoir pour eux. Et on viendra redonner des coups de main encore, parce que je pense que c'est pas fini, mais c'est sur la bonne voie. Et je leur souhaite vraiment tout le meilleur et toute la réussite possible. C'est un processus, donc nous aimerions qu'au futur, à travers nos expériences, à travers nos erreurs de passé, nous améliorer pour que ces festivals puissent avoir peut-être lieu chaque année. Et ça sera vraiment très bon pour nous-mêmes et pour l'entourage dans le quartier d'une manière générale. Il faut boxer. C'est dans l'extrême misère. Il faut boxer dans l'extrême misère, dans les ghettos, dans les townships, dans les favelas, dans la pauvreté parfaite du tiers-monde. Il faut boxer. Boxer. Boxer la situation. On peut tout perdre. Mais quand on perd la culture, on perd son âme. Et avec foi, nous avons rêvé. Et puis nous espérons que dans les années à venir, nous aurons d'autres partenaires qui vont nous rejoindre, que le rêve soit encore plus grand et plus beau. Donc ça, c'est mon cri de cœur.